Et donc, j'espère que vous allez bien. J'ai les mains vraiment cracra. J'ai passé pas mal de temps sur ce make-up. De base, je devais faire une inspiration de ce face art. Au final, je ne l'ai pas faite. Bref, ah, un bordel. C'est la dernière vidéo d'Halloween. Mon Dieu, ça passe vite. Mais du coup, d'un côté, je me dis ouf, tant mieux. Parce que d'un côté, Halloween, cette année, il pue. Faut se le dire, il pue. Voilà, du coup, j'ai fait ce look également en fait pour le concours Jerem Star. Voilà, pour son Halloween live. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne parce que je vais faire aussi une série à Noël et je vais faire d'autres vidéos ben, pendant le mois de novembre pour vous occuper. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec le tuto. Comme toujours, je viens préparer ma peau avec ma base. Donc là, c'est la Milk Hydratante. Je prends ma palette de fard gras de chez MAC. J'ai appliqué donc du rouge sur l'ensemble de mon visage à peu près. Ensuite, je vais venir mettre du blanc sur mes points de lumière. Ça va me permettre de le mélanger avec le rouge un petit peu pour avoir ce côté éclairci. Ensuite, je vais ajouter également du violet donc au niveau de mes joues, de mes tempes et de mon cou. Et ensuite, je vais venir mélanger le tout et ça va donner ce résultat. Voilà, donc j'avais mis des cornes également, mais je vous en parle pas parce que clairement, je les ai enlevées après, elles tenaient pas, c'était la merde. Enfin, en plus, je les avais appliquées après avoir fait mon dain. Enfin, c'était n'importe quoi. Bref, du coup, j'ai poudré avec du talc. Je viens repasser en fait sur mon violet pour avoir quelque chose d'un peu plus intense. Mais en fait, mon violet, il faisait des traces. Enfin, franchement, c'est. Non, donc bon, je continue, je continue. Franchement, j'ai passé énormément de temps sur ce make-up, c'était un truc de fou. J'ai mis également du fard sec blanc donc au niveau de mes points de lumière pour éclaircir le tout. Ensuite, je viens prendre ce highlighter Metal Crush de Kat Von D, liquide. Il est trop bien, il fait un effet pailleté, mouillé. Vous voyez, il est magnifique. Hop, j'ai fait mes sourcils tout simplement. Je viens ensuite faire ma délimitation rouge. Et ensuite, je viens mettre ma base de chez Makeup Revolution. Teinte blanche et je vais venir donc travailler après mon jeu de fard à paupières. Donc d'abord je mélange avec le fard gras que j'ai pu mettre au-dessus. Hein. J'en mets également en bas donc de cette base blanche tout simplement parce que je vais me faire un autre œil, enfin un bas œil. Je sais même plus comment, je sais plus parler franchement. Donc je prends un fard à paupières sec noir que je viens mettre donc et que j'étire vers le coin externe que je viens mettre en fait en semi-cut crease. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Je viens prendre ensuite un fard à paupières orange métallique irisé. Ça, c'est un make-up forever. Bon, voilà. Je vais pas vous dire spécialement les fards, mais voilà. L'autre, c'était la palette Ananas, le noir. Mais voilà, c'est des fards qu'on trouve assez régulièrement dans certaines palettes. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Hop, je fais également une bascule en coin, mais c'est pas un coin, c'est un bas, c'est en bas, c'est le ratil inférieur, pardon. Et du coup, je viens repasser avec ma base blanche, pardon, blanche. Bah, bien, je sais plus parler, putain, il est 22h15, ça y est, je sais plus parler. Bref, ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres de chez Kat Von D, je vous mets la référence dans la description. Et ensuite, après avoir mis ce rouge à lèvres, je viens. Vous voyez, mes mains sont dégueulasses hein, avec ce make-up, avec le noir, parce que vous voyez, j'ai enlevé mes cornes parce que je les avais peintes en noir. Je mets les gloss de Sephora, pareil, je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Je viens prendre des fards à l'eau plutôt violet parme et violet plus foncé et je viens faire des crachotis au niveau de mon teint pour donner de la texture. J'ai mis mes fossiles bien évidemment en haut et en bas et ensuite je prends ma palette, la Alchemist de Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty maintenant et je mets le fard violet, il est canon. Et voici pour le look. Désolée, je sais plus parler, c'est la nuit, enfin pouf. J'espère que cette mini-série d'Halloween 2020 vous aura plu. Promis, je reviens très prochainement avec bon, déjà la série de Noël qui sera beaucoup plus complète, mais également la série Halloween 2021 qui, je pense, et j'espère sera plus complète parce que c'est vrai qu'avec le Covid, franchement, ça m'avait pas trop motivée à faire Halloween. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais pas fait beaucoup de looks. Mais voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!